Dégâts. Une affaire de viol au Tchad. Si je m'en dis mon pénis. Le cri de guerre, s'il te plaît. Chaque jour qu'on dort, qu'on se réveille, il y a de nouveaux dossiers. Le viol est-il devenu un sport national au Tchad? Point d'interrogation. Parce que vraiment, non seulement on viole une fillette de 15 ans, c'est-à-dire qu'avant ce viol, cette fillette de 15 ans a été kidnappée, séquestrée, battue, ensuite violée par trois jeunes garçons. Par la suite, ils filment leurs bêtises de merde et ils balancent le tout comme un trophée gagné sur la toile. Notamment sur les réseaux sociaux. Pourquoi ils font ça? Point d'interrogation. Et il y a des bâtards qui disent que bravador, mets-toi de ce qui te regarde. Pourquoi ils font ça? Point d'interrogation. Sans oublier ces pacotilles de blogueurs tchadiens qui font des vidéos. Des vrais bâtards. Et aussi ils ferment les clapets. Pourquoi ils font ça? Je sais pas. C'est des soignants, je suis déçu. Vraiment. Une fillette de 15 ans se fait violer par des enfants mal éduqués. Et comme leurs parents sont des hauts gradés de l'armée tchadienne, comme c'est des généraux également, c'est là que tu entends cela, pardon. On la touche pas, hein? Ah bon? C'est des dieux? Jamais. Donc, comme les parents sont des généraux et qui sont immensément riches, donc cela leur donne le droit d'aller violer enfants des gens? Jamais. Filmer et publier sur les réseaux sociaux? Vous êtes des bâtards! Et cet acte criminel va rester impuni? Ça va pas chez vous, quoi. Dégâts. On parle d'un viol d'une fillette de 15 ans, mineure. Ce que cette petite fille a subi, c'est des séquelles à vie, un traumatisme à vie. Et ce acte criminel ne doit pas rester impuni. Jamais. Car qu'il soit fils de président, fils de colonel, fils de général, m'en fous, je m'emballe mes couilles. Complètement et royalement. Ces criminels violeurs doivent être purement et simplement arrêtés et jetés en prison. Oui. C'est ça qui est la vérité. Si je m'en donne mon pénis. En même temps, j'ai une question qui me taraude l'esprit. Y a-t-il un ministre? Vous n'êtes pas d'un ministère de la justice au Tchad? Ça peut tarder. Va. En ma qualité de garde des Sceaux, ministre de la justice, je ne donnerai aucune instruction en faveur d'un tel justiciable au détriment d'un autre. En retour, je serai intraitable avec les magistrats ripoux. L'inspection générale doit rester éveillée, alerte, pour sanctionner sévèrement les indélicatesses. Je voudrais demander aux médias ici présents de relayer mon message que voici. Je voudrais demander aux populations, aux groupes d'influence, aux faiseurs de décisions, à mes amis, à mes parents, de s'abstenir, de venir à la chancellerie solliciter un quelconque faveur judiciaire. Sur ce, monsieur le ministre, appliquez ce que vous avez tenu comme propos. La justice est faite pour tout le monde, pauvre comme riche. On a tous droit à une justice équitable. Car monsieur le ministre, vous êtes ministre de toute la population tchadienne. Et non ministre d'un groupe, ou ministre d'un clan, ou ministre du pouvoir. Non, vous êtes ministre de la justice tchadienne de tout le Tchad. C'est de ça qu'il s'agit. Madame la ministre de la femme et de l'enfance, ton rôle c'est quoi? Point d'interrogation. Une fillette de 15 ans s'est fait violer par trois imbécilettes sauvages, facochées, morpions, en douille. Et vous, vous restez muette. Mais pourquoi? Je comprends pas. Je tiens à vous dire, madame, les enfants des pauvres ont aussi droit à une justice équitable. Équilibre. Parce que, imaginons, un instant, 2 secondes, 3 secondes, 1 minute, que c'est un civil, un citoyen lambda, un pauvre, pauvre l'homme de la pauvreté qui pauvretise comme un vrai pauvre, qui peut violer l'enfant d'un ministre, l'enfant d'un député, l'enfant d'un général, et qu'on l'attrape. Et comme il est pauvre, il y a 3 cas. Premier cas, dès qu'on met la main sur lui, il est mort. Pourquoi? Parce que frapper, ils vont faire pour lui donner là. Hein? Même le diable le refuse aux enfers. Deuxième cas, ils vont le brûler. Mais très mal quoi. C'est que c'est une brûlation brûlatelle que le diable même n'a jamais vu. C'est qu'ils vont mal le brûler. Troisième cas, s'il a la chance, il va aller en prison. Mais en prison là-bas, là, il sera doublement violé. Parce que c'est un violeur, il n'a pas de relation et c'est l'enfant d'un pauvre. Donc lui, on va le juger. Et lorsque des enfants de gosses mal nourris, mal allaités, mal éduqués, des enfants de généraux qui violent, bastonnent, séquestrent, enfants des gens qui parlent, publient le tout sur internet, ah, silence radio, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de justice, tout le monde s'en fout parce que c'est enfant des pauvres. Arrêtons ça. Le viol est un péché et un crime horrible qui est puni par la loi dans tous les pays du monde. La Bible et le Coran condamnent ça fermement. Donc, madame la ministre de l'enfance, monsieur le procureur de la République du Tchad, sans oublier votre patron, le ministre de la Justice, s'il vous plaît, pour l'amour du Tchad,
et pour la justice équitable dans ce pays, prenez vos responsabilités en mettant ces criminels, ces violeurs en prison. Que la justice s'applique. Parce qu'un violeur est un criminel, que son père soit général ou pas, ministre ou pas, on s'en fout. Une fois que ces jeunes-là commettent des bêtises comme du viol, il faut que ce viol-là soit réprimandé comme un crime et que ces criminels de violeurs puissent être jetés en prison. Appliquons la loi. Si je m'en donne opinion, il viole enfin les gens. Il publie le tout sur internet et il se promène, il se pavane librement. C'est quoi ça? Mais pourquoi? Injuste. Pourquoi ils font ça? Point d'interrogation. Le viol est-il devenu un sport national au Tchad? Donc tout le monde se lève et puis viole et puis on s'en fout. Nous, ça va pas quelque part. Ah bon? Donc si on viole vos soeurs, ça vous plaît? Comme c'est pas vous, vous parlez pas. Hein? Quand c'est enfant des générales, enfant des générales. Ce mot dit, nous on fait rien, ça, nous on fait la justice. La question c'est, est-ce qu'on peut développer un pays avec des violeurs? Jamais. Est-ce qu'on peut développer un pays avec des soulards? Dédéon, le mot de fin. Tous les sorciers qui sont ici, oui. Vous êtes des bâtards. Allez danser.